Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. On doit mettre des mots forts sur certains actes, sinon la parole sera discréditée, moquée, on lui sert donc les justifications byzantines. Mère, par à la hauteur de la gravité de la situation, plus rien ne va au sommet de l'État. Le président de la transition doit mettre de l'ordre autour de lui et dans son gouvernement. C'est une la palissade. C'est l'art de toute urgence. En attendant que le patron du palais Mohamed V se décide de procéder à ce qui convient le mieux à la situation. Un chambardement, un nettoyage à grand tour. Apporter du sang neuf, trouver les personnes qui aillent correspondance et en courage social, mais non par celle dont le mérite est défini par une base farfelure, pas des privilèges du palais qui ont pourtant péché pour leur choix en inadéquation avec les postes occupés. Les profils n'étaient pas souvent les meilleurs et ça a directement jailli sur le fonctionnement de l'administration à tous les niveaux, sauf à des exceptions près qui sont sans grand reproche. Le chef du gouvernement n'a pas le contrôle de son bateau qui vogue en eau trouble. La dispute chaude qui a eu, selon plusieurs témoins lors du dernier conseil interministériel, bien que démenti par les voies officielles comme on pouvait bien s'y attendre, entre Bernard Goumou et l'un de ses ministres, en est une preuve éloquente. Son autorité est désormais mise à rude épreuve par certains de ses collaborateurs. L'efficacité du gouvernement, déjà à l'épreuve de l'incapacité des ministres à s'adapter à la situation, prend davantage un coup. En dépit de tout, les sirènes du chef du gouvernement continuent à vibronner maire tout seul. Pendant ce temps, son département est discuté et annoncé dans les médias et dans certains milieux. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.